parce que je ne vous ai pas donné mon secret tantôt. Elle contient des minéraux et j'obtiendrai beaucoup plus d'hydrogène et d'oxygène. Là, si je mets du soda à pâte, encore là, encore ça. Mais le secret, c'est que on veut utiliser une eau qui est conductrice. J'ai utilisé pendant quelques minutes l'eau du robinet et vous voyez des dépôts de fer dans le fond. Le rouge qui est dans le fond, la tache, c'est un dépôt de fer. Donc, ça veut dire que le fer est extrait de l'hydrogène et de l'oxygène et tous les autres minéraux se retrouvent dans le fond quand on prend l'eau du robinet. Alors, j'ai pris de l'eau distillée. Mais Étienne, celui qui me l'a fabriquée, il dit, attention, l'eau distillée ne contient aucun minéraux. Donc, tu vas produire un peu moins d'hydrogène. J'ai dit, parfait, c'est un démonstrateur. Alors, voyez le nombre la quantité de HHO que j'obtiens avec de l'eau distillée. Donc là, on veut essayer une eau hyper conductrice et la solution, c'est de l'eau argent colloïdale. De l'eau colloïdale. De l'eau colloïdale où il y a des suspensions d'argent qui est très conducteur. Donc, on va se faire une eau colloïdale, on va s'en faire un gallon d'eau colloïdale. C'est très facile à fabriquer, de l'eau colloïdale, ceux qui le savent. Sinon, vous pouvez en acheter, mais c'est très dispendieux. Vous êtes mieux de trouver quelqu'un qui a une machine. Là, je vais remplir ça d'eau colloïdale. Au lieu de me retrouver avec des taches rouges, je vais me retrouver avec de l'argent. L'argent va tomber dans le fond. Mais l'eau va être tellement conductrice que nous croyons qu'on va pouvoir doubler, même tripler la quantité. Donc, si j'ai deux batteries, là, j'en ai seulement qu'une. Si j'ai deux batteries, j'augmente évidemment ma charge. Si je branchais, si j'avais un plus puis un moins d'une prise qui vient du mur, n'oubliez pas, c'est 110 volts. C'est plus une batterie de 12 volts. Là. C'est 110 volts avec beaucoup d'ampérage. Là, c'est du gros bouillonnement. Là, c'est énorme. Là, je peux la faire bouillir comme ça pendant quelques jours avant que l'eau commence à descendre. C'est incroyable, le pouvoir qu'il y a dans l'eau. Parce que là, on consomme des atomes. Des atomes, c'est pas gros un atome. Hein. Sur la tête d'un épingle, il y a des milliards d'atomes. Imaginez là, tout ce que j'ai comme hydrogène là, là-dedans. Puis c'est pas énorme. Ça, c'est basique. Ça, c'est l'appareil que j'utilise dans mes conférences pour démontrer. Hein. Parce qu'il y en a qui sont achetés des PVC blancs. Ça coûte rien. Vous achetez du PVC blanc là, pour les tuyauteries de 4 pouces. Puis ils se font leur truc là-dedans. Ils s'en mettent 3-4. Puis ils branchent les 3 en même temps. Puis ils envoient ça. Il y en a. Si vous faites HHO sur Internet, vous en avez. Le circuit là-dedans, il n'est pas fermé, hein? Je veux dire, les négatifs, il finit, positifs, il finit, puis il ne se touche jamais à la fin, là. C'est ça. Okay. C'est ça, oui. Et puis, comme je vous dis, on peut le faire avec des plaques en cuivre. Les premières, on l'avait fait en plaques en cuivre, et au bout de 48 heures, les plaques étaient vertes. Vertes. D'oxydation. Ah oui, c'est tellement fort, l'oxygène. Mais là, l'oxygène est à l'état pur dans l'eau. Donc, Même Stanley Meyer recommande d'utiliser du stainless. Évidemment, avec du stainless, on ne se trompe pas. Là, il y a toutes sortes d'expérimentations qu'on peut faire, comme l'eau colloïdale. On peut mettre de l'argent colloïdal ou on peut mettre de l'or colloïdal. L'or est très conducteur. Est-ce que ça coûte plus cher ou un petit peu plus? Mais c'est colloïdal. Si on s'en fait un gallon comme démonstrateur. Et aussi, le but, c'est la survie. C'est-à-dire que si tout le monde avait une génératrice à hydrogène, qu'à un moment donné, il y a une panne de courant, on pourrait faire fonctionner la génératrice électrique de Canadian Tire, tu sais, ou de Home One, tu sais. Il y en avait des génératrices 6000 watts. Là, on peut faire fonctionner, à l'heure actuelle, on est capable de faire fonctionner un moteur de 29 cc en produisant 5 litres minute. Le moteur 29 cc se trouve être un moteur qui vient d'une souffleuse à feuilles. L'automne, les grosses souffleuses. C'est un petit moteur, c'est un 4 temps. Ça prend absolument un moteur 4 temps. Pourquoi? Parce que ça prend une panne à l'huile pour refroidir le moteur. Fascinant, hein? Oui. Alors, très là, on enlève le moteur, puis on fonctionne. Le moteur 29cc ne fonctionne qu'à l'eau. Donc, 29cc, 2900cc, 29000cc, est-ce qu'on est capable de... Évidemment, là, le scientifique va vous dire, ça va vous prendre une plus grosse source d'électricité. Oui. C'est sûr. Mais si on réussit à trouver la fréquence radio qui va briser la molécule de l'eau et qu'on va lui envoyer un petit courant dedans, ça va être la folie. Ça va être la folie. Moi, je dis que... Stanley Meyer l'a affirmé. Il dit 1500 fois plus d'hydrogène qu'une catalyse normale. Donc, c'est à peu près ça. Merci, Nanki.
Ça me fait plaisir. Super. N'oubliez pas que c'est pour la survie. C'est-à-dire que c'est... Imaginez les Esquimaux. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Ça fonctionne avec de l'eau de mer. Donc, imaginez toutes les villes, les hôtels, les villages qui sont sur le bord de la mer et qui pourraient simplement se brancher dans l'eau de mer, faire fonctionner la génératrice qui va produire l'électricité pour tout l'hôtel. C'est incroyable. Il y a un Américain qui a trouvé la clé et il faisait une recherche sur la désalinisation de l'eau pour les traitements de cancer des reins, tout ça. Et par accident, il a découvert une nouvelle source d'électricité. Il ne faut pas oublier que l'électricité que ça prend pour séparer l'hydrogène de l'oxygène, là, lorsque ces deux-là se recombinent, saviez-vous qu'il y avait une décharge électrique qui se produisait et que si on met des sensors, on est capable d'aller récupérer l'électricité lorsque l'hydrogène et l'oxygène se remettent ensemble. Juste à mettre des sensors, puis on va aller capturer ça. Quel est le courant? Je ne sais pas. Mais selon Stanley Meyer, on pourrait faire un circuit perpétuel enfermé. Oui. Seulement remplir d'eau. Juste remplir l'eau, parce que l'eau descendrait. Donc, c'est pas un mouvement perpétuel, mais l'eau, elle est disponible. En plus qu'avec le réchauffement climatique bidon, on nous menaçait que le niveau de la mer augmenterait de 20 pouces, tu sais, je sais pas, 30 cm. Bien là, on va avoir de l'eau à pas savoir quoi en faire. Donc, c'est propre. C'est propre. On dirait que c'est un cycle divin, c'est-à-dire qu'on prend l'énergie du soleil qui est l'hydrogène avec l'oxygène, et puis on fait une combustion, puis ça revient une vapeur d'eau. Moins quelques atomes, bien sûr, mais en tout cas. Donc, il y a un grand futur là-dessus au niveau des génératrices, des soudeuses pour souder, faire fondre le métal, et aussi pour faire fonctionner nos voitures temporairement jusqu'au jour où on arrive avec une voiture électrique et une batterie avec laquelle on peut faire 400 km. Et voilà. Bravo. Bon, merci. Ça me fait plaisir.